commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous avais promis donc cette petite vidéo. On va voir avec une application, l'application Fnac. C'est la première application où on va pouvoir faire des achats à la voix avec notre Google Home. Vous allez donc tout simplement pouvoir naviguer sur les différents articles actuellement présents sur le Google Home à partir de la Fnac et directement demander à votre Google Home d'en faire l'achat. À ce moment-là, il faut absolument que vous ayez un compte Fnac et que vous ayez enregistré l'intégralité de vos coordonnées bancaires, etc. Une fois que vous allez demander à votre Google Home d'en faire l'achat, vous allez donc recevoir sur votre smartphone une notification venant du Google Home qui va vous dire de continuer la transaction à partir de votre smartphone. On va tout de suite voir ça en détail avec le Google Home. C'est parti. Parlez avec la Fnac. Très bien, je vous mets en relation avec Fnac. Ravi de vous revoir, je vous propose de découvrir les dernières sorties et les meilleures ventes des rayons livres, musique, vidéo, jouets. Que voulez-vous parcourir ? Vidéo. Voulez-vous parcourir les meilleures ventes ou les dernières sorties du rayon DVD, Blu-ray ? Meilleure vente DVD. Voici le top 10 du rayon DVD, Blu-ray. Le premier produit est Star Wars, les derniers Jedi DVD à 19,99€. Souhaitez-vous passer commande ? Ou découvrir le produit suivant? Découvrir le produit suivant. Le deuxième produit est Vaiana, la légende du bout du monde Blu-ray à 13,03€. Que souhaitez-vous faire? Passer commande. Souhaitez-vous le retirer demain à la Fnac Connect? Souhaitez-vous retirer votre produit dans la Fnac la plus proche? Oui. Ok, je dois juste récupérer votre adresse postale depuis votre compte Google. Êtes-vous d'accord? Oui. Merci, j'ai trouvé le magasin Fnac Connect. Est-ce que je sélectionne ce magasin? Oui. Pour le moment, je peux seulement vous proposer le retrait en magasin. Si vous souhaitez le recevoir chez vous, je vous propose de commander ce produit sur notre site internet. Pour des raisons de sécurité, les achats doivent être validés sur smartphone et je n'ai pas détecté de smartphone compatible Google Assistant. Pour finaliser votre achat, vous devez disposer d'un appareil avec écran. Puis-je envoyer cela sur votre téléphone? Oui. Ok, merci de vérifier. Je vous parlerai sur cet appareil. Ok, merci de vérifier. Je vous parlerai sur cet appareil. Voilà, donc comme vous avez pu voir, la notification, on l'a reçue. Assistant, maintenant, connectez-vous à votre compte Fnac. Il vous reste donc plus qu'à vous connecter sur votre smartphone et valider votre achat. C'est donc une mise à jour qui est sortie tout juste le 28 mai. Et voilà pourquoi je vous en ai fait profiter. Vous pouvez continuer votre commande directement à partir de votre smartphone. C'est vraiment une grande avancée. On peut maintenant directement passer la commande en lui demandant de confirmer notre commande et de terminer cela sur notre smartphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.